Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Guitare pour une interview en direct du showroom intergalactique avec Arnaud le prêtre à ma droite en casaque, chemise, jean délavé. Comment il va bien ? Même délavé. Ben ça va très bien et toi Pierre ? Eh ben écoute, moi très bien. Et puis en casaque cardinal, on va dire, je sais pas, comment il va bien François ? Pourpre, ouais. Très bien aussi. Mmh. Et toi ? Bah ouais, toujours classe, mais le Arnaud aussi, toujours classe, et puis moi aussi, je suis toujours classe, je me le dis, hein, limite. Hein. Ouais. Non, non, pas du tout, au contraire, c'est ton côté un peu cow-boy, tout ça, c'est, je trouve ça très bien, quoi. Bon, on va parler de cet album Stomp, qui est donc votre deuxième opus. Tout à fait. C'était quoi l'idée de directive pour faire ça ? Déjà d'une, d'essayer d'avoir de nouvelles couleurs, ouais, notamment avec la 12 cordes. Mmh. Il y a un petit peu de mandoline, il y a un petit morceau avec du dobro, ouais, slide. Mmh. Et puis d'essayer de rester dans la couleur Neck Bros du premier album, mais d'essayer de mieux faire. Ouais. Encore au niveau du jouage, de la composition, du son. Mmh. Là, on avait décidé de tout enregistrer en studio. D'accord. Alors que le premier a été enregistré chez moi dans mon studio et mixé en studio. D'accord, ouais. Et là, on a tout fait en studio pour, en fin de compte, se délivrer... le fait d'avoir à s'occuper de l'enregistrement. Quoi. D'accord. Donc il y avait un ingé son qui s'occupait de la partie prise de son, etc. Vous étiez focusé sur la performance, sur le jeu. Quoi. Voilà, studio LDC, et l'ingé son c'est André Baybarel, qui est spécialisé dans tout ce qui est instruments acoustiques et beaucoup de jazz manouche. Mmh, voilà. Est-ce que tu confirmes cette version ou tu dénies totalement le... Non, non, c'est ça, c'était, on voulait faire et la continuité... Sans se répéter. Abonnez-vous à la chaîne Guitare, cela vous permettra d'accéder au magazine vidéo qui contient chaque mois plus de 10 nouvelles vidéos avec des interviews, des chroniques, des masterclass et des tests de matériel. L'accès aux vidéos déjà publiées est inclus. L'abonnement vous permettra aussi de dialoguer via la communauté privée pour avoir des échanges de qualité entre passionnés de la guitare et professionnels de la musique.